Les services de sécurité russes ont annoncé avoir désamorcé jeudi matin un engin explosif artisanal dans un immeuble résidentiel de l'est de Saint-Pétersbourg. Les habitants du quartier ont été évacués le temps que la bombe soit neutralisée. L'un d'entre eux affirme avoir vu la police arrêter quatre jeunes occupant un appartement voisin. Par ailleurs, mercredi, la police russe a interpellé sept individus, tous originaires de pays d'Asie centrale. Ils sont soupçonnés de faire partie d'une cellule de recrutement de terroristes, selon les autorités qui affirment qu'il n'y a pas de lien pour l'instant avec l'attaque de lundi. Attaque dont l'auteur a été identifié, il s'agit d'un jeune de 22 ans d'origine kirghize. La déflagration dans le métro a fait 14 victimes, dont le kamikaze. 49 personnes ont été blessées. Aucune revendication n'a été faite, mais Moscou s'intéresse à la piste de l'État islamique.